Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, nous sommes sur le Remblai au Sable d'Olonne. Et voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est le prix du livre du roman de plage 2024. Et donc, un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, écrivaines sont aujourd'hui présents et présentes. Et nous allons notamment interviewer la lauréate du roman de plage pour l'année 2024. Il s'agit de Simonetta Greccio. Voilà, merci à vous, à tout de suite. Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, nous sommes au Sable d'Olonne, plus particulièrement sur le Remblai. Et aujourd'hui, nous sommes à l'occasion de l'édition 2024, le prix du livre. Et j'ai à côté de moi Simonetta Greccio. C'est comme ça qu'on dit, oui. Exactement. Lauréate du prix du livre de plage 2024 avec son roman « Mes nuits sans bardeaux ». Alors, bonjour Simonetta. Bonjour. Moi, c'est Olivier. Ciao Olivier. Ciao, Marine. Merci. Alors, bah voilà, tu es la lauréate du prix du livre de plage 2024. Avec grand plaisir, oui. Avec une joie démesurée. Voilà, bah écoute, félicitations déjà. Merci, c'est super. Donc, donc tu as été primé pour ton roman « Mes nuits sans bardeaux ». Alors, on va poser la question, pourquoi cette envie d'écrire sur bardeaux, oui. Parce que c'est une femme merveilleuse qui me parle beaucoup, qui est très divisible, c'est-à-dire qu'on l'aime et on la déteste pour les mauvaises raisons, souvent, parce qu'en fait, toute sa polémique sur ce qu'elle peut dire, tout ça, c'est vraiment, il faut la voir du côté animal, c'est-à-dire qu'elle, elle ne parle pas de manière politique, ce n'est pas un animal politique, elle parle toujours par le biais du bien-être animal. Alors quand elle dit qu'elle a des gros mots, je ne sais pas, sur les Réunionnais ou sur les Arabes, etc., sur la Haïd, etc., c'est vraiment par rapport à l'animal. Il faut voir ça comme une dame qui a un certain âge, à 90 ans cette année. Eh oui, c'est vrai, 90 elle ans. Elle est d'une autre époque. Elle est gaulliste, hein. Elle est gaullienne, gaulliste, je ne sais pas comment on dit. Elle se réclame d'ailleurs de Gaulle. Donc, c'est pas cette femme dont on dit, oh là là, l'extrême droite, son mari, etc. C'est une femme qui est d'abord une défenseur et puis une pionnière de la défense animale. Animale, oui, effectivement, ouais, tout à fait. Pourquoi j'ai écrit ce livre sur elle? Parce qu'elle m'a... Parce que je suis devenue végétarienne grâce à elle. D'accord. Petite fille, j'étais végétarienne. Ouais. Ensuite, ma mère m'a dit, si tu ne manges pas de viande, tu vas perdre tous tes cheveux et tu ne vas pas devenir grande. Donc, sous la pression maternelle, j'ai commencé à manger des animaux, parce que ce n'est pas de la viande, ce sont des animaux, il faut bien dire ça. Et puis avec Bardot, je suis redevenue celle que j'étais, c'était la petite fille que j'étais. D'accord. Et je ne mange plus d'animaux, ce sont nos amis, ce sont nos copains sur cette terre. Et donc il faudrait qu'on arrête de les rendre nos esclaves, nos proies et tout le reste. C'est-à-dire que le respect animal, c'est aussi le respect du plus fragile, de l'enfant, de la femme et de ceux qui sont les plus vulnérables. Ils sont les plus vulnérables, oui. Voilà. C'est une question d'actualité. Une grande question d'actualité, c'est-à-dire que si on s'enferme dans notre petit monde, ben on va mourir dans notre petit monde. Et donc Mes nuits sans bardeaux, donc ton roman en fait, tout est vrai, romancé, commencé. Tout est romancé. D'accord, ok. Donc c'est un vrai roman avec des vraies choses. D'accord. Raconté comme un roman, hein, donc avec de manière romanesque. Oui. Mais ce sont Brigitte Bardot est un personnage public. Oui, bien sûr. On sait beaucoup de choses d'elle. Elle a écrit beaucoup de choses. Elle a beaucoup parlé. Donc, pour reprendre ce fil et reparler de tout ça, j'ai tout relu ce qu'elle a écrit, dit. J'ai revu ses films. Et puis j'ai fait, en tant que productrice, une grande traversée de 10 heures sur elle à France Culture. D'accord. Et c'est vrai que là, j'ai découvert une femme qui m'a infiniment touchée. D'accord. Ok. Et tu ne l'as pas rencontrée finalement parce que... Non, je suis allée à la Madrague avec ma réalisatrice et mon preneur de son de la radio. Et elle a failli nous écraser avec sa voiture. Elle est sortie en tronc de sa maison, dans sa voiture, avec ses chiens, son chignon de traviole et tout ça. Et c'était très drôle parce qu'elle a failli vraiment nous écraser. Je pense qu'elle n'était pas très contente de nous avoir là. Ah et oui. Je la comprends.
Parce que qu'est-ce qu'on va la faire suer? Je veux dire, ça va, elle a donné. Oui. Cette femme a été traquée comme un animal. Oui, ça c'est suffit. Vrai. Voilà, ça suffit. Ça, c'est vrai. Donc autant pour moi, c'est elle qui a raison. Bah, très bien, en tout cas, ce que je vois, c'est une véritable passion, admiration pour l'actrice. Hein, oui, pour la femme. Voilà, la femme qu'elle est. Hein, bien sûr, on l'a connue en tant qu'actrice et puis après dans son combat pour les animaux, comme tu le disais. Et voilà, bah, c'est bien, c'est une façon de lui rendre hommage aujourd'hui à travers ton livre. Et je pense que voilà, c'est... On en a tous entendu parler, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, spécialement pour en parler avec toi. Parler avec toi, exactement, tout à fait. Bien, merci beaucoup Simonetta. Merci, grazie mille. Grazie mille, prego. Et puis, bonne continuation. Tu sais que Brigitte parle très bien italien. Ah bon? Ouais, elle a même chanté en italien. Ah, voilà. Ah bah voilà. Eh bien, merci à toi, Simonetta. Ciao. Bon, ciao. Et buona giornata. Et buona giornata, sì, grazie. Ciao. Ciao. Alors, voilà, bah, nous sommes toujours sur le Ramblais. Cet après-midi, il y a effectivement la fête du livre bat son plein. Comme vous allez pouvoir le voir, eh bien, en ce moment, eh bien, nous avons Jean-Christophe Ruffin qui est en dédicace, notamment pour son dernier roman d'or et de jungle. Et donc, vous voyez, là, il y a du monde qui attend. Et puis, on va continuer. Voilà. On va continuer pour vous. Voilà, donc ici c'est la librairie, donc une librairie ambulante, on va dire ça comme ça, où effectivement sont proposées les différentes œuvres des écrivains et écrivaines, on va dire les choses comme ça. Donc Jean-Christophe Ruffin qui est proposé. On a Caroline de Mulder ici, on voit. Son livre qui est là aussi présente en dédicace aujourd'hui. Et puis nous avons également Florent Forestier donc, qui est aussi en dédicace, là bah, Simonetta Greggio, donc qui est le prix du livre de plage 2024 de cette année. Et puis voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de monde hein, qui viennent voir donc, l'édition 2024 du prix du livre de plage. Et on va continuer un petit peu. Hop. Donc, alors tous ces livres, ben, vous pouvez les retrouver aussi, bien entendu, à l'espace culturel du Centre Leclerc des Sables d'Olonne, mais également, également dans toutes les bonnes librairies, notamment l'espace culturel Leclerc qui sponsorise l'événement. Et donc eh bien, c'est vraiment une belle part encore de la culture qui est faite ici au Sable d'Olonne. Et puis voilà, parce que la culture c'est important pour les jeunes et les moins jeunes. Et voilà, on ne le dira jamais assez. Voilà, donc eh ben, voilà, on va se quitter sur la photo et la photo de la lauréate Simonetta Greggio et son livre donc Menu sans bardo. Voilà, que l'on félicite et que je remercie d'ailleurs de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci beaucoup à Simonetta et à bientôt sur Vendée Vintage TV Show. Merci à vous.